Bonjour, aujourd'hui je vais aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est la disparition du Zaïre de Mobutu au profit du Congo, Congo qui est toujours en guerre. Alors, certains nous diront, ah, c'est une guerre civile qui dure, qui dure, qui dure. D'autres diront, c'est une agression. Une agression répétée de pays qui veulent s'accaparer les ressources congolaises. Quoi qu'il en soit, le maréchal Mobutu fut, pour son pays, un homme qui voulait vraiment qu'il devienne le plus puissant d'Afrique. Un homme à poigne, certes, avec des projets absolument extraordinaires. Prenons par exemple les barrages d'Inga, Inga 1, Inga 2, Inga 3. Avec ces barrages, le Zaïre aurait pu électrifier toute l'Afrique. Dès 1971, Inga 1 fut un barrage construit. Inga 2 en 1982. Et Inga 3, nous l'attendons toujours actuellement. La République démocratique du Congo a annoncé mardi un accord avec des partenaires chinois et espagnols pour le développement d'un projet hydroélectrique de 14 milliards de dollars qui avait pris beaucoup de retard. Le projet Inga 3 s'inscrit dans le cadre d'un programme majeur d'extension des barrages hydroélectriques le long du fleuve Congo. Le projet dure depuis environ 30 ans, mais son aboutissement a échoué à plusieurs reprises. Le projet Inga 3 devrait renforcer deux centrales électriques vieillissantes construites entre 1972 et 82 sur les chutes du fleuve Congo à Inga, à 260 km en aval de Kinshasa. Inga 3 devrait générer 4800 MW, soit l'équivalent de la production de trois réacteurs nucléaires de troisième génération. Il pourrait aussi alimenter une bonne partie de l'Afrique en électricité. Le pays sera aidé par l'Afrique du Sud, la Banque africaine de développement ou encore la Banque mondiale. À terme, la puissance de ces installations pourrait atteindre les 40 000 mégawatts. C'est deux fois plus que le barrage des Trois Gorges en Chine, le plus grand barrage au monde. Il y a eu d'autres projets, des projets les plus fous d'ailleurs. Mais pourquoi pas? En collaboration avec des industriels allemands, Mobutu inaugure un ambitieux programme spatial dans l'est du Zaïre. Ah. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mais tout cela pourquoi? Pour insuffler à son peuple une fierté nationale. Mobutu invite à concilier les traditions culturelles africaines avec les exigences de la modernité. D'abord, pour nous, Zaïrois, c'est une question de dignité. C'est le respect dû à ses origines. Le Belge, pour moi, doit être un authentique. Le français doit l'être aussi, tout comme l'anglais, l'italien. Chaque peuple doit respecter ses origines. Je crois que c'est vraiment clair. Et ça nous permet à nous aussi, je vous le dis sans complexe, mais nous devons, nous autres anciens colonisés, nous décomplexer aussi avec cela. Éviter tout ce qui nous a été légué, qui me paraît à moi franchement être une espèce de coloration. Le régime de Mobutu s'attache à gommer les différences ethniques. Il y a plus de 300 ethnies au Congo. Donc, une ambition extraordinaire pour son pays. Il voulait que son pays soit le phare de l'Afrique. Pour cela, par exemple, il organisa un combat de boxe, le combat de boxe du XXe siècle.
George Foreman contre Mohamed Ali. 24-year-old Foreman hanging pretty tough in there. Again, I caution you to look for the one punch that George Foreman can deliver at any time. This man is devastating, to say the least. These punches are not at this particular time. Finally, boxing skills of Muhammad Ali. Here comes Ali. You can see him there, very calm. If you saw the interview, there's no question. Le conseiller Mobutu pour faire quelque chose, il est vraiment extraordinaire. Et Mobutu a donné son accord pour qu'il puisse organiser ce match-là. Au départ, Mohamed Ali n'avait pas accepté. Et il avait quand même posé quelques conditions pour qu'il puisse venir à Kinshasa. Mais ces conditions étaient acceptées, ce côté monnaie, et qu'est-ce qu'il fallait faire. Et puis pour sa sécurité aussi. He's getting a standing ovation from some 70,000, we estimate, in attendance here as he dances behind the American flag. Muhammad Ali will be gloved in the ring, as will George Foreman. How about it, Jimmy? Mobutu appuie la médiatisation de l'événement. Il érige la victoire de Mohamed Ali comme la victoire du Zaïre. Mais ses alliés sont en Europe, en particulier la France, avec lesquelles il a des relations très, très étroites. Beaucoup de coopérants et techniciens français séjournent au Zaïre. Ils s'occupent en particulier des mines et des richesses zaïroises. En 1978, insurrection du Katanga, Valéry Giscard d'Estaing envoie la Légion sauter sur Colvézi, où sont de nombreux coopérants français travaillant là-bas, qui sont pris en otage. Cette colonne de véhicules qui monte vers le front, ce sont les parabelges qui, atterrissant à l'aéroport de Colvézi, vont faire la jonction avec les parafrançais du 2e REP, qui se battent déjà depuis près de 24 heures avec les forces rebelles. Ce n'est qu'au moment où les forces belges et françaises ont pratiquement rétabli l'ordre dans la ville de Colvézi que le chef de l'État du Zaïre, le général Mobutu, a fait une tournée d'inspection entourée de quelques-unes de ses unités. Des unités qui remarquent que les Européens de Colvézi ont décroché quand même rapidement à l'arrivée des forces rebelles. Les soldats du général Mobutu se sont-ils beaucoup battus dans Colvézi avant l'arrivée des Français et des Belges? Ces Français et ces Belges ont découvert d'horribles charniers, incroyables, impensables, le résultat d'une cruauté gratuite qui n'a épargné ni les femmes ni les enfants. Alors évidemment, le régime de Mobutu était un régime particulièrement corrompu. Mobutu est un président adulé par Mao Tse-tung, par des présidents américains. Mao Tse-tung admire son courage. Richard Nixon dit de lui apprendre beaucoup. Et Mobutu fait de son pays le symbole d'une Afrique fière de ses traditions et confiante en son avenir. Une Afrique confiante en son avenir. Alors, en 1990, une étape importante de la démocratisation du pays. Face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce 20e siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé des biens de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi.
Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre, mieux, l'ultime recours. Comprenez mon émotion. Les oppositions au régime de Mobutu se sont toutes, je dis bien toutes, réfugiées au Rwanda et en Ouganda. Celles-ci font des incursions à partir du Rwanda au Zaïre. Elles sont à chaque fois repoussées par l'armée nationale zaïroise. Mais cette armée n'est plus ou très mal payée par le pouvoir, qui s'écarte de plus en plus des plans initiaux pour sombrer dans une corruption institutionnalisée. Au Rwanda, justement, après une guerre civile qui a fait plus de 60 000 morts, entre Tutsis réfugiés en Ouganda, faisant partie du FPR, et Hutu au pouvoir à Kigali, un génocide éclate. Le président Hutu au pouvoir à Kigali est assassiné. On désigne une cible, les Tutsis. Il est exactement 20h22 lorsqu'un avion est abattu au-dessus de Kigali, la capitale du Rwanda. Dans cet avion se trouvait, outre le président Habyarimana, donc le président du Rwanda, le président du Burundi. Il n'y aurait pas de survivants. Deux missiles ont été tirés sur l'appareil. C'est un attentat. Le président Hutu du Rwanda est mort. Les Tutsis sont accusés. Quelques minutes plus tard, des barrages sont érigés à Kigali. Hommes, femmes, enfants, tous ceux qui portent la mention Tutsi sur leur carte d'identité sont exterminés par les extrémistes Hutu. On craint le déchaînement de la guerre civile entre ethnies rivales Hutu et Tutsi. Paris prend ses dispositions pour évacuer les 600 ressortissants français qui se trouvent actuellement au Rwanda. Ce que j'ai vu, c'était affreux. C'était vraiment le massacre organisé. Des enfants dans ma paroisse, il y en a eu une trentaine qui ont été massacrés devant moi et je ne pouvais rien faire. Le génocide va durer 3 mois, 100 jours qui feront au moins 800 000 morts. Il y a eu ensuite, de la part des Tutsis qui avaient repris le pouvoir sur les Hutus, à Kigali, une répression féroce. Des centaines de milliers de Hutus fuirent le Rwanda et arrivèrent au Zaïre. Hutus qui donnèrent une occasion en or au régime de Rwanda pour intervenir au Zaïre et renverser Mobutu. Un des opposants donc à Mobutu est à Kigali. Il est à la manœuvre, il s'appelle Laurent Désiré Kabila. Mais derrière les instructeurs rwandais, dès 1996, il y avait des Américains et qui avaient pour but de déstabiliser le Zaïre de Mobutu. Le Pentagone est accusé d'avoir assuré l'entraînement de soldats ayant participé au renversement du président Mobutu. Ces mêmes soldats se sont compromis dans des crimes contre l'humanité commis par les troupes rwandaises au Zaïre contre les réfugiés Hutus. Le Congrès américain demande des éclaircissements. Le ministère de la Défense reconnaît à ce moment-là que son assistance technique a largement dépassé le cadre humanitaire. Le cadre humanitaire. C'est un retour en force des États-Unis en Afrique. États-Unis
qui veulent bousculer les acquis de l'Europe et de la France et les remplacer au Zaïre. Donc une offensive rwandaise se déclenche contre les génocidaires. Pourtant, la plupart des Hutus qui s'étaient réfugiés au Zaïre sont revenus au pays, au Rwanda. Cela n'empêche pas le Rwanda d'envahir donc le Zaïre. Laurent-Désiré Kabila prend le pouvoir. Nous sommes le 29 mai 1997. Monsieur Laurent-Désiré Kabila assume à partir de ce jour les fonctions du chef de l'État de la République démocratique du Congo. Pendant que le maréchal était contraint à l'exil au royaume du Maroc, le troisième président de la République prêta serment au stade des martyrs, ex-Kamagnola. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Mobutu, quant à lui, s'exilera au Maroc où il meurt 4 mois plus tard d'un cancer. Le Zaïre devient la République démocratique du Congo. Kabila, alors, décide de nationaliser les mines congolaises et de renvoyer chez eux les alliés, c'est-à-dire les Rwandais, qu'il avait portés au pouvoir. Kigali refuse, bien entendu. Ils ont maintenant la possibilité de piller le Congo. Et comme par hasard, un nouveau front de résistance du Congo naît à Goma contre Kabila. Laurent-Désiré Kabila décide de renvoyer dans leur pays les soldats rwandais qui l'avaient pourtant aidé à conquérir le pouvoir en mai 97. Les Banyamulengais, Tutsis d'origine rwandaise et qui avaient prêté main forte à Kabila il y a 2 ans, s'estiment en danger. C'est la raison pour laquelle certains prennent aujourd'hui les armes. Ils accusent également le président de népotisme et de corruption. Ils n'ont qu'un seul objectif désormais, chasser Kabila pour, disent-ils, préserver l'unité et la sécurité du pays. Nous sommes en 1999, j'ai une possibilité d'aller voir comment les choses se passent à Goma. Je m'y précipite. Le pays des Grands Lacs, à l'est de la République démocratique du Congo, bordé par le Rwanda et l'Ouganda, est entré en rébellion contre le pouvoir central représenté par le président Kabila il y a maintenant plus d'un an. Les motifs de cette rébellion, qui est née à Goma, une petite ville frontière avec le Rwanda, sont apparemment simples. Laurent-Désiré Kabila, lors de sa rentrée à Kinshasa, la capitale du Congo, après une guerre éclair contre le président Mobutu, n'aurait pas respecté les principes démocratiques qu'il avait si souvent proclamés lors de sa révolution. Le nouveau président a également dénoncé les contrats qu'il avait signés avec de grandes compagnies minières qui lui avaient donné argent et conseillers militaires. Ses anciens alliés, le Rwanda et l'Ouganda, qu'il avait portés à bout de bras lors de la guerre de 1997, se sont retournés contre lui. Et donc, le 2 août 1998, des militaires congolais basés à Goma se rebellaient contre le pouvoir central. L'intérêt des pays limitrophes du Congo est évident. La partition de ce géant africain serait la bienvenue. Il est l'un des pays les plus riches du monde en minerais de toutes sortes. Sur l'aéroport de Goma, le commandant en chef de l'armée de libération, le commandant Ondekan, donne ses dernières instructions aux troupes congolaises partant pour le Kasaï oriental. Le cessez-le-feu n'empêche pas les protagonistes de renforcer leur position.
Vous comprenez tous Lingala? Il n'y a pas de problème? Qui ne comprend pas Lingala? Il faut que vous soyez correct avec les habitants des villes et des villages que vous traversez. Vous êtes là pour les libérer, pas pour les violer ou les voler. Nous ne sommes pas là pour nous battre contre nos frères, mais contre le système qui s'est instauré dans notre pays, contre la dictature. Si on vous demande, à vous les rebelles, pourquoi vous vous battez, vous répondrez, la première guerre comme celle-ci a pour but de chasser les dictateurs. Et pour que vos parents puissent vivre dans la liberté et la démocratie. Maintenant, nous entrons dans une ère de négociation. Si nos propositions sont acceptées, et si Kabila accepte de partir, reconnaissant toutes ses fautes, nous pourrons enfin vivre dans la liberté et la démocratie. On s'est bien compris ? Nous sommes en train de les réorganiser pour qu'ils aillent au front, pour qu'ils aient un briefing pour garder la population, combattre l'ennemi, et suivre les commandements de leur chef. Et tout ça, il faut rappeler, ils savent, mais il faut rappeler à tout moment pour que la discipline soit de fait. Et ce sont des jeunes, vous les avez vus, ce sont des jeunes gens qui ont un moral solide, qui ont une détermination. C'est ce qui fait que nous ayons beaucoup de victoires sur le terrain, puisque vous les avez vus, en train de danser, ils ont dansé ensemble avec moi et je les adore. Ce sont des mecs qui travaillent bien. Des militaires rwandais ont préféré ne pas engager leur aviation dans le conflit. Ils font donc appel à une compagnie aérienne basée à Kigali, créée pour l'occasion, ayant à sa tête des mercenaires russes. Elle a pour mission d'amener vivres et munitions aux troupes de la résistance qui, pour certaines d'entre elles, sont à plus de 1000 km de leur base sans autre moyen de ravitaillement que l'avion. En effet, les routes sont soit coupées par les maquisards pro-Kabila, soit détruites par la forêt. Embarquement dans un vieil Antonov, direction, la dernière piste praticable avant les lignes de front pour des avions de ce tonnage. Les troupes du RCD étant aux portes de la capitale du Diamant, Mujumai, tenue par l'armée de Kabila. Le plan de vol est simple, être le plus haut possible pour éviter les tirs de missiles à courte portée, puis descendre rapidement, se poser à vue. Malgré le cessez-le-feu, les consignes n'ont pas changé. L'avion ne doit pas rester plus d'une demi-heure sur la piste de peur d'attirer l'aviation ennemie. Nous sommes à Loggia, une petite ville située en plein centre du Congo, dans la région du Kasaï oriental, à près de 800 km de Goma. Cette agglomération a été un centre administratif puisqu'elle a été le chef-lieu de la province du Sankuru, du nom d'une grande rivière qui traverse le Congo jusqu'à Kinshasa. Cette cité devait compter environ 50 000 habitants avant sa libération en mars 1999, mais avec l'arrivée des troupes rwandaises et du RCD, la population a pris peur et est allée se cacher dans la forêt de crainte des représailles. Ce n'est que depuis 2 mois environ que les habitants de Loggia rentrent peu à peu chez eux. Mais la ville est encore bien vide, le marché inexistant, la population nerveuse, malgré les dires du commandant congolais de la place. Depuis que nous sommes ici, la population nous a bien accueillis, nous a compris, malgré qu'elle était à la forêt lorsqu'on était entré, mais vite fait, elle est rentrée. Donc il y a un bon terme de vie entre la population et nous. Dans la maison abritant les hommes de la sécurité et de la police, une surprise. Le civil qui dirige ces hommes est un pasteur évangéliste bien connu de tous les habitants. Il fait profiter les troupes de la résistance de son influence. Au Congo, il y a environ 400 sectes se réclamant de toutes les religions officielles. Le président Mobutu, du temps de sa splendeur, avait compris l'intérêt de telles institutions. Il s'en servait fréquemment pour faire passer des messages à ses concitoyens. Nous sommes en train d'organiser pour que les choses ne s'empirent pas, pour qu'il y ait quand même la paix et le calme, surtout, pour qu'il n'y ait pas de débordement. J'encadre la population dans le cadre de l'Église. Et c'est là où je leur explique, parce que la sécurité, à l'époque du président Mobutu, la sécurité c'était pour garantir le pouvoir d'un individu. Mais je leur explique que la sécurité de Dieu, c'est aimer son pays,
aimer les autorités, respecter les lois établies par les autorités et prier pour ces autorités pour qu'eux aussi mettent en pratique ce qu'ils nous recommandent. Et c'est ça, en quelque sorte, d'après moi, la sécurité. Et c'est ce que je suis en train d'expliquer aux gens. Les gens m'écoutent et vous avez trouvé qu'à Lodja, il y a harmonie entre le peuple et les militaires. Il n'y a pas de problème. Nous nous comprenons et grâce à ces prédications. Même le sida est guéri par la foi en Jésus-Christ, le Dieu d'Escatène. Pardon ? Oui. Ce que les hommes de science trouvent impossible à l'église du Dieu vivant, c'est possible. Plus de 4000 qui viennent ici, dans cette église, prier. À tour de rôle, ils viennent. Nous sommes obligés. Nous prions chaque jour, du lundi au dimanche, tous les jours. Mais les incidents avec la population sont fréquents. Des militaires sous brutalisent la population régulièrement, instaurant un climat d'insécurité permanent. Nous les parents, parasitistes d'Isaïe, au Congo aussi. Pourtant, une discipline de fer est appliquée. Tout homme pris en état d'ébriété est immédiatement puni. Vous voyez l'étendue de la ville de Lodja. Ce sont eux les militaires de RCD qui ont tout pillé. La banque a été détruite, c'est pas eux. Nos pharmacies, nos magasins, tout ont été détruits, toujours par les gens. Alors qu'ils cessent avec les reflets. Nous ne voulons pas RCD. Qu'ils quittent, que les Rwandais quittent notre territoire congolais. Qu'ils rentrent chez eux. Tous les étrangers, les envahisseurs, qu'ils rentrent chez eux. Qu'ils nous laissent tranquilles chez nous. Les agresseurs qui s'en aillent chez eux. C'est ce que nous cherchons, c'est ce que nous demandons. Si vous avez pitié de nous autres, vous les Français, les Américains, si vous avez le pitié de nous autres, de toutes les façons, nous demandons la paix. Ça fait, par exemple, toute une année et demie. Une année et demie, les enfants n'étudient pas. Pas de médicaments, pas de quoi. Les Wamba, ces enfants se trouvent en Europe, sont en train d'étudier. Nous, nos enfants souffrent ici. Nos frères congolais sont de nature de Rwandais. Ce sont les Rwandais qui les dictent pour qu'ils viennent nous faire ce qu'ils veulent. Nous voulons vraiment la fin de la guerre. Nous voulons la fin de la guerre. Ils sont les agents d'exécution pour cette force-là. Ils ne font qu'exécuter à leur dit. C'est pourquoi nous nous sentons maintenant engloutis, envahis. La banque, détruite lors des combats qui ont enflammé la ville, est gardée par un détachement mixte de Rwandais et de Congolais. Ça n'a même pas de valeur, ça c'est... Ça c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez acheter avec cet argent? Vous les avez, alors? Ça? Ouais. On garde ça à la maison. Pour montrer aux enfants... Hein? Vraiment, ça n'a pas d'importance, c'est ça. Ici, on mange le tout. Que ce soit l'argent de Kabila, ouais. Que ce soit de Mobutu, ouais. On mange toujours. Non, nous regrettons beaucoup parce que nous avons un président là maudit, ouais. Comme Kabila. Et comment vous faites pour acheter vos cigarettes alors? Non, nous cherchons beaucoup de biens. Nous cherchons beaucoup de biens pour avoir une tige de cigarettes pour filmer. Ah ouais. Et ça ne tient même pas une tige. Même pas un paquet de cigarettes. Nous sommes des fumeurs. Nous sommes à l'opération. Depuis ma naissance, je n'ai connu jamais les biens, car les malheurs. Toujours le malheur? Oui. Depuis ta naissance, tu as connu la guerre? Oui, la guerre. Les troupes alors mobilisées n'étant pour la plupart du temps pas payées, s'adonnent au pillage. Chose depuis longtemps admise par les chefs de guerre qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs troupes. On a tout pillé ici, ce qui était à l'intérieur. Tout. On a tout pillé. Tout. Nous partons pour le port de Ben Ali Bélé qui borde la rivière Sankourou. La petite bourgade est à environ une centaine de kilomètres de Lodja. Par miracle, la route est encore praticable, chose rare au Congo. 90% des pistes n'existent plus, faute d'entretien. La forêt équatoriale a donc repris ses droits. Les guerres ont détruit les infrastructures comme les ponts et les bacs.
À Benadibélé, les combats faisaient encore rage autour de la ville il y a encore quelques semaines. Dans la forêt, où les troupes de Kabila s'étaient réfugiées. Des hommes ont été faits prisonniers, ce sont des Congolais. Selon les termes mêmes du commandant rwandais du district, ils vont être immédiatement rééduqués pour qu'ils comprennent enfin leurs fautes et rejoignent les troupes du Rassemblement Congolais pour la démocratie. Ils sont tous congolais. Le lendemain matin. Les forces rwandaises représentent ici les 4/5 des militaires présents à Benadibélé. Malgré cette occupation manifeste et un dispositif de sécurité important, des voix se lèvent parmi la population excédée. Le peuple congolais ne veut plus de telles aventures militaires encore chez nous. Nous sommes un peuple souverain. Nous avons acquis l'indépendance depuis 60, mais jusqu'à présent, vous ne trouverez jamais un bâtiment construit par l'État congolais. C'est toujours donc le néocolonialisme qui continue et qui sont à la base. Ce sont les États-Unis, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne. Cette coalition-là, je dis bien, c'est une coalition agresseur. Et nous vous disons que nous sommes, à partir de ce moment-ci, déterminés à nous opposer à toute action militaire étrangère tendant à nous déstabiliser. Nous avons salué avec toute énergie la vraie guerre de libération des 1997 menée par Laurent Désiré Kabila. En dehors d'autres guerres dont on a dit, je vous dis, il n'y a pas une guerre de libération. Ce n'est pas une libération. C'est une guerre d'agression. Nous sommes occupés, nous sommes asphyxiés. Vous écoutez les nouvelles, monsieur ? Oui ? Vous écoutez les nouvelles ? Oui, j'écoute les nouvelles. Alors, quelles sont les nouvelles ? Non, aujourd'hui, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Il y a toujours des manœuvres. Combien de ceci le fait ? On a signé en Angola. Maintes fois. On n'a jamais trouvé solution en Angola. Est-ce que chez nous, vous nous proposez quelle solution ? Aucune. Parce que vous avez votre intérêt, vous les Occidentaux. Mais nous sommes des humains comme vous autres. Pourquoi vos continents, vos pays sont calmes ? Vous parveniez de trouver solution ici en Kosovo. Ça n'a pas fait longtemps, mais pourquoi pas en Afrique ? Parce que nous ne sommes pas créés ensemble avec vous. Parce que nous sommes noirs et le sang qui coule entre nous deux, quelle est la couleur de ce sang? Ce n'est pas un sang rouge. Nous sommes déstabilisés à cause des bombes qui arrivent souvent. Alors maintenant, nous voulons la tranquillité, nous voulons la tranquillité, la liberté. Nous souffrons d'une façon extraordinaire. La fuite des soldats de l'alliance de Kabila devant les armées rwandaises s'est heurtée à cette barrière naturelle, la rivière Sankuru, qu'il a bien fallu traverser à la nage faute de bac. Il y eut des centaines de morts noyés et un important matériel laissé sur place. La vie des habitants de Benadibélé, comme celle de toutes les personnes vivant au bord de la rivière, est suspendue à la reprise du trafic fluvial, qui était resté leur seul moyen de communication. La rivière étant navigable jusqu'à Kinshasa, ils pouvaient faire le commerce du sel et des médicaments qui manquent maintenant cruellement dans toute la région. Bon, pas la guerre, vraiment qui se termine, ça fait déjà longtemps. Et tant des années, bien que la guerre, il n'y a pas la solution. Même pas. Hein? Il n'y a pas l'hôpital. L'hôpital ne fonctionne pas. Alors il signe, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas à manger. Alors, nous sommes en train pas de médicaments, même vraiment les moyens de se déplacer, même les déplacements difficiles. Nous vivons vraiment, en tout cas, ça ne va pas. Comme des bêtes. Ça ne va pas. La population, nous sommes en train de souffrir, de mourir, et de partout, beaucoup de maladies. Oui. Avant, nous vendait des carburants ici. Bon, on prenait par exemple l'avion d'ici à Kinshasa, on achète les marchandises, on arrive ici, on va les vendre.
vendre, nous aurons donc de l'argent. Les bateaux aussi, ça fonctionnait dans de très meilleures conditions. Mais pour le moment, vraiment, ça ne va pas. Hein, pour le moment, pas de circulation, pas de déplacement, pas de quoi, pas de soucis. C'est ça. Nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués. Ici, ce que nous vendons, ça n'y est pas. Ça, c'est la au lieu de nous envoyer ici des Goma jusqu'à Lodja, ça n'y arrive pas. C'est probable, pourquoi pas? Puisque vous voyez les gens toujours souffrir. Lorsqu'on a la paix, alors on peut travailler par-ci, par-là. Vous voyez maintenant, moyen de communication, il n'y en a pas. Moyen de déplacement, il n'y en a pas. Et alors, comment est-ce que les gens peuvent vivre en paix? Nous voulons la paix, puisque si la paix est liée, on aura beaucoup à faire. Mais il n'y a pas du mal pour qu'on ait la paix. Mm-hmm. Depuis 1999, rien n'a changé. Les Rwandais sont toujours là, la guerre fait rage dans la région des Grands Lacs, et personne ne lève le petit doigt. Laurent Désiré Kabila fut assassiné en janvier 2001 par son garde du corps. Il fut remplacé par son fils, beaucoup, beaucoup plus ouvert que lui à l'exploitation des mines par de grosses compagnies minières. Juin 2022, encore des incursions des armées rwandaises au Congo. Personne ne fait rien. Nous sommes à Tchanzu, non loin des frontières du Rwanda et de l'Ouganda, un point chaud des affrontements avec les rebelles du M23 cette semaine. Des combats qui se doublent d'une vive querelle avec le Rwanda, accusé une nouvelle fois par le Congo d'envoyer des soldats pour soutenir les rebelles. Le Rwanda déployé dans les environs de Tchanzu 500 militaires des forces spéciales, tous habillés d'une nouvelle tenue de couleur vert noir et coiffés des casques de sa force spéciale. Une affirmation rejetée une nouvelle fois par les autorités rwandaises. Nous n'avons aucun intérêt dans une crise et ne répondrons pas à des accusations sans fondement. Depuis avril, de violents combats opposent l'armée congolaise au groupe Mouvement du 23 mars, le M23, une ancienne rébellion Tutsi. Leur saut de violence inquiète la communauté catholique qui prépare la visite du pape François, prévue du 2 au 5 juillet, avec une étape à Goma. L'évêque de Goma a annoncé que le pape désirait rencontrer des victimes des violences dans l'est du Congo. Mais certains catholiques craignent maintenant une annulation du voyage. On est tellement inquiet par le fait que les combats ont repris. Pourtant, il y avait déjà un peu d'accalmie. On comprend que les affrontements ont repris. On a tendance à croire qu'ils n'ont que comme mission empêcher l'arrivée du pape. En attendant le pape, l'Église catholique a annoncé en début de semaine qu'elle organisera une marche le 30 juin pour soutenir les FRDC, prier pour les victimes de la guerre et compatir avec leurs familles. Si l'ONU s'indigne. Bon, eh bien écoutez, j'espère à bientôt sur ma chaîne. J'espère que vous avez aimé ce petit récit. Le pouce, abonnez-vous. Au revoir.